2022 a été choisi pour le redémarrage des nouveaux investissements de cette compagnie de renommée internationale. Ravi Jaipuria Sharman, président mondial du groupe Pepsi, l'a annoncé au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kingi, qui l'a reçu en audience le samedi 12 février 2022. Affordable, good quality pour la jeunesse congolaise en général. Ils auront de l'emploi et dans les usines aussi des créations des chariots pour magasins. Ils auront également de l'emploi. Et les jeunes dames en particulier vont vraiment se retrouver. Et le président a été très généreux de nous donner une date avec précision, particulièrement le mois d'avril de cette année. C'est un investissement à large capital, car nous allons ériger une usine ici à Kinshasa et l'autre à Lubumbashi. Cet investissement à large capital est